Septième édition du festival populaire et international de musique traditionnelle Feu de Brasa, de retour à Filou 10 ans après. Du 7 au 12 septembre 2024, dans l'enceinte de la mairie de Filou, se tiendra ce grand rendez-vous artistique, culturel et scientifique. Ayant choisi pour thème, musique traditionnelle africaine, source de créativité et de vecteur de l'intégration continentale. Ce festival rassemblera des artistes talentueux venant du Gabon, RDC, Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire, Bénin, aussi de la France pour des performances inoubliables. Le choix de ce thème a été motivé par le fait que l'intégration africaine ne se fera pas qu'avec les grands ensembles économiques. Elle passera nécessairement par le passage des peuples et de leur culture. L'un des piliers est la musique traditionnelle africaine, car elle fait partie de notre identité propre. De manière spécifique, il s'agit de développer les réflexes de culture de la paix à partir d'une véritable appropriation des cultures locales et de nouvelles compétences en diplomatie coutumière africaine. Plus de 5000 visiteurs attendus pour ce grand événement culturel. En plus des concerts, plusieurs activités seront au rendez-vous. En ce qui concerne les activités de cette édition, mesdames et messieurs, nous avons 4 activités. Il y a la construction du village du festival, il y a des spectacles de musique, nous avons la conférence débat sur la diplomatie coutumière, et bien entendu, nous aurons des visites touristiques. Donc, cette édition qui verra la participation d'un professeur qui sera ici, de nationalité ivoirienne, qui viendra échanger, que ce soit avec les universitaires congolais, les hommes politiques qui seront dans la salle, les étudiants, d'autres chercheurs, sur cet échange que nous devons revenir sur nos racines pour trouver des solutions à l'africaine suivant un certain nombre de conflits. Aussi, tous, on le sait que notre chef d'État, c'est l'un des chefs d'État qui est souvent cité au niveau du continent pour le règlement de pas mal de conflits. Et donc aujourd'hui, c'est des outils qu'on va essayer de travailler avec quelques chercheurs au niveau du Congo pour échanger là-dessus. Ça veut dire que vous allez vous rendre compte qu'on sort un peu de la culture en tant que telle pour parler de la diplomatie et le règlement des conflits et de la recherche de la paix. Tant que le festival populaire Feu de Brasa est né en mai 2005 afin de créer un événement culturel tourné essentiellement vers la musique traditionnelle.